tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Spyro, l'année du dragon. Aujourd'hui on va... On va aller sauver directement notre meilleur ami là. Oui. Allez, parle-moi. Mais t'es derrière moi, je parle que aux gens devant moi. La sorcière a fait très fort cette fois. Il a fallu 2 douzaines de rhinoc pour capturer cette boule de poils. Alors j'aime autant te dire, mais ça coûtera cher de le faire sortir. Ah oui. Comment obtiens-tu tout cet argent, Spyro ? C'est le pouvoir des dragons. Et ça ne se trouve pas sous le sabot d'un vachou, hein ? Il est tout petit ! Enfin, je respire de nouveau librement. Avec l'humilité d'un passereau blessé, je m'agenouille devant mon libérateur. Ce n'était vraiment rien. Oui. C'est moi qui t'ai laissé sortir. Oh, toi, espèce de voleur avare, sournois, doublé d'un roublard. Hé, on se calme. Oh, ça va, il est sympa. À 2 coups. Encore un, peut-être. Au moins. Faites-moi l'indicible honneur de venir me rendre visite dans un proche avenir. Bien sûr. Spyro, il a pas envie à chaque fois d'avoir affaire avec eux, genre. Oui, bon. Je les ai sauvés, mais je pas trop. Si tu le dis, hein, bon. J'ai pas envie de me prendre un coup, moi non plus. Je tiens à dire un truc à propos de Bentley et de la version originale PlayStation 1. Un truc que toi tu ne pourras même pas voir, c'est que sur la jaquette pâle, il y a un render mais trop moche de Bentley sur la jaquette, c'est incroyable. Je dois d'abord m'occuper de mon petit frère. J'ai peur qu'il se soit attiré des ennuis pendant mon absence. Ah, les petits frères, toujours comme ça. Hein. Allez, alors on peut faire, on peut faire le souffle du vent là comme ça. On peut sauter. Salut l'ami. Il le prend pas mal. Il le prend pas mal, c'est Bartolomeo. Alors, regardez moi mon souffle du vent qui ne sert à rien. Incroyable. En revanche, il a l'air incroyablement grand, Bentley, là, dans son niveau. Mais on a vu la... Ah, ok, c'est... Non, mais... Je suis désolé, petit frère, de voir se frapper à chaque fois, mais... J'ai entendu ces grosses brutes te traiter de fillette. Tu vas te laisser s'en tirer comme ça, grand-mère. Est-ce qu'on peut casser ça, là? Non. On peut casser ça, là? Oui. Oui. Bah, qu'est-ce qu'il y a, là? Faut pas que je suis en train de faire le vent, là. Ça se casse pas? Ah. Ok, tout se casse. Rien ne se perd, tout se casse. Il y a quoi ici? Non, rien, t'avais cassé déjà là, la vitre. Ah, c'était une vitre, très bien. Ah, par contre, les sauts. Ah, bah, c'est soit la force, soit les sauts. Ok. Si tu utilises ton tourbillon pour envoyer la boule de neige sur le gong, on pourrait faire s'effondrer le plafond. D'accord, mais quelle boule de neige? Celle qui va te jeter. Ça, c'était du travail d'équipe. Ah, franchement, merci, Bartolomeo. Heureusement qu'il y avait un. Bartolomeo. Oui, bah aussi, le gong. Oh, Brian, t'as failli faire une omelette. Oh, ça le dérange pas. Ah, visiblement, les dragons, ça n'aime pas manger des papillons. Bah non, mais en même temps... C'est pas une libellule. Ah, hein. Attends, moi, je vais renvoyer la boule. Allez, la boulette. Ça marche. Ça, on casse tout. Allez, vas-y, Spyro. Sparks. Oh, il sait pas, il connaît pas Bentley aussi. Il vient à peine de la rencontrer, la libellule. Il peut pas savoir, il peut pas tout savoir. Ah ah! Oh là, il va falloir être malin. C'est des sautaris de Crash Bandicoot, je les ai reconnus. On casse tout! Bonjour, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais meurs! Ah, ouais, oh. J'adore! Regarde de se déplacer un peu plus vite quand on saute, on va sauter. Voilà. Non, vous oh faites non, pas tomber les gemmes par terre. Mais si! Vous faites tomber les gemmes par terre. Quel dommage! Il y a une gemme à gauche.
Waku Waku Sha. Mais Sparks. Mais Sparks, oh là là, le feignant. Encore un gong, super. Je parie qu'on peut provoquer une avalanche avec lui. Super. Vas-y, Bartholomew. Oh oui, bah oui, évidemment, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a bah hey, t'es sur le chemin, bouge. Je crois qu'il veut pas. Ah, c'est ça l'amour fraternel. Ah bah oui. Bon, Bartholomew. Satané Rinoc a bloqué le passage avec cette boîte. Tu devrais pouvoir la pousser sans problème hors du pas. Ah d'accord, nous on pousse. Oh là là, mais quel talent. Oh mais quel talent, on a même gagné un point de compétence pour ça. Charlie et la chocolaterie. Regarde, il monte le chemin pour aller dans la chocolaterie. Comme ça, il faut faire un peu de backwalking comme ça. Et après, petite danse et Bon, là, j'ai vu qu'il y avait... Bonjour, bonjour, au revoir. Donnez-moi les cadeaux, bonjour. Livraison spéciale. De coup, j'imagine. De coup. Ah, oh, une otarie. Oh, mais oh. J'ai plus de Sparks, là. Je crois bien que oui. Bon, tu vas me dire, hein, vu comment il avait pas... Attends, mais il y avait pas de quoi se rigane dans ce niveau, aussi. Non, j'en ai jamais vu. Effectivement. Ah, là, il y a un lapin. Allez, boum. Ah, mais il était régénéré. Oui, c'était une vie. Bonjour, livraison spéciale, voilà, hein. Merci d'avoir utilisé les services de Bentley Enterprise. Bonjour. Voilà, ça c'était mon paiement. Parce que le livreur est payé. Au moment où il fait sa livraison. C'est comme ça que ça marche. Dans le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Au revoir, au revoir, au revoir. Mais le pauvre, pourquoi tu l'as frappé? J'aime pas les lapins. Ils disent des gros mots tous les jours. Ils sont vraiment assez proches. Visiblement pour Bartholomew. Bartholomew, tu l'as poussé. Oh bah alors ça valait bien la peine de demander des caisses. Alors, si finalement c'était pour faire ça. Franchement, espèce de tricheur là. Je suis fortement désappointé, Bartholomew. Franchement. Ça utilise des techniques déloyales que même moi je peux pas utiliser. Alors je suis le grand frère. Non mais justement, il y en a un, il fait les sauts et l'autre il fait les coups, c'est tout. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Ah si, il vient de dire que 6 par contre. Ah oui, c'est pour ça que j'ai repris. Mais non, c'est dégoûtant. Bah oui, mais évidemment. C'était la dernière. Bon, Bartholomew, espèce de petit tricheur. Merci l'ami, voilà un petit quelque chose pour ta collection de pierres. Eric. J'adore Eric. Bah tant mieux. Oh, Bartholomew, tu me fermes la porte comme ça à ton grand frère. Non, toi, c'est là, la maison. Au revoir. Et voilà, on a sauvé le Yeti, donc on va faire ça, j'imagine. Parce qu'on avait... La terrasse de bambou. À terminer. Donc, voici Bentley. Une belle journée pour une promenade. J'allais justement en haut de ma colline préférée. Ah bah tant mieux alors. J'allais justement en haut de ma colline préférée. Ah bah tiens, c'est Bartholomew. Hey, je crois que j'ai vu des rhinocs monter en haut de cette colline avec un œuf. D'accord. Allez, toi aussi, voilà. Apprécie le gameplay c'est de bon. Bentley là. On frappe partout. Tu vois, tête de panda de pierre, y'a plus de tête de panda de pierre. On casse les monuments. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se casse. Regardez, il est prêt. Et lui se casse. Et lui aussi. Oh, oui, il m'a bien vu. Bon, après, tu vois que Bentley est quand même assez lent, donc... C'est pas grave, on fait des petits sauts de joie. Youhou! Alors, Bartholomew, tu es juste venu me présenter le niveau, finalement? Bah oui, c'est bon. Bon, c'est moi ou je l'ai enfoncé dans le sol? On dirait, effectivement. Vous avez enfoncé la libellule, mais ou pas on? Enfin, c'est pas une libellule, puisque une libellule ne mange pas des libellules. Bon, on sait pas, on va rien. Oh oh! Je pensais que j'arriverais à le casser. C'est peu conseillé de frapper de la TNT. Où sont les libellules quand on a besoin d'elles? Des lucioles.
Oh, regarde le lit. Elle est là-bas, mais moi je... Bon, comment on va faire? Soit tu retournes en arrière chercher la... Je pense que je vais faire ça, parce qu'on va pas prendre de risques. Oui, non, Bartholomé, il vient pas, genre, c'est bon. Moi, j'ai fait la grève de la faim, là, c'est bon. Il me perturbe, la manette a changé de couleur. Mais moi aussi, à un moment, je l'ai regardé, ça m'a fait un flash dans la figure, j'ai pas aimé. C'est lui, là, qui jette les trucs. Oui, regarde-le, là. Hop! Magnifique. Je peux vraiment pas l'avoir. Et puis il vient, genre, hé, hey, c'est bon, moi, j'ai... Non, mais oh... Moi, j'ai donné mon... Enfin, j'ai jeté mon machin... Vas-tu t'en sortir face à cette terrible et... Non. Terrible épreuve. Oh là là. Ah, là, il y a du monde, là. Bah oui, mais je vais me faire taper et j'ai absolument rien pour m'en sortir. Parce que visiblement, je sais pas me battre. Ah, on peut pas y aller. C'est pour ça qu'il est pas venu. Bon, bah, on doit retourner en arrière. Oui, d'accord, la couleur de la manette, c'est la couleur de ma vie, en fait. Non, je pense pas. Je sais pas, ça change de couleur par rapport à Spark. Donc... Je sais qu'à un moment, j'avais regardé ta manette, elle était jaune, mais j'ai pas fait attention au fait que Spark, c'était jaune ou pas. Voilà, si est-ce que ça va devenir si bleu. Si c'est le cas, c'est rigolo, quand même. Mais oui. Ah, mais c'est incroyable. C'est trop bien. La manette change de couleur en fonction de la barre de vie. Mais c'est incroyable, non, ça. Et puis voilà, là, elle est devenue verte. Mais moi, je sais pas... Je me demande pourquoi j'y arrive pas. Non mais ça sert à rien, faut pas croire, ça ne sert à rien, le vent ne sert à rien. Eh hey, mais oui, mais du coup c'est un ajout plutôt rigolo, ok. je... Vas-y, fais ton coup, voilà, comme ça, voilà. C'est la nouvelle strat, ça marche comme ça, c'est bon, tu vois. Ça... Il n'y a pas de stratégie bête si ça fonctionne. Eh oui, bon, voilà le Yeti qui marche sur les toits, c'est... Oh, une vie. Tu as une vie. Et hop, la manette va devenir jaune. Incroyable. 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 Oh. Caisse de TNT, très bien. Oh bah elle explose. Superbe. Ah bah voilà. C'est bon, on trouve le rythme. Par contre, là, je sais pas ce que je fais, parce que je suis obligé d'exploser. Dire le vent, peut-être. Ah, mais oui, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Je l'ai fait exprès de dire que j'ai donné un coup. Voilà. Non, mais ils sont incroyables, c'est tu la vois, technique ils anticipent. De la feinte. Ils anticipent tes mouvements, et en fait, il ne fallait pas les anticiper. Bon, est-ce que tu as raté un objet? On dirait bien que oui. Oui, tu as raté une caisse. Ah, bah, elle est là. Ah! Bon bah désolé, Brubeck. Salut Brubeck. Tu es bien content, Brubeck. Bon, t'as eu tous les œufs, bravo. Et t'as pas eu tous les machins. Alors Bartholomé, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant que j'ai gagné? Hey, je crois que j'ai vu des rhinocs, mon... D'accord, merci Bartholomé. Il a disparu. Mais qu'est-ce qui... Quoi? Mais pourquoi il... Ah, t'as pas été là-dedans. Tu parles dans l'eau? Oui. Bah non, j'ai pas été dans l'eau. Ah oui, d'accord, il y avait des joyaux cachés dans l'eau. Et voilà, fin du niveau. Trop bien, on va le quitter alors. Et du coup, je te propose d'aller voir Zoé. Bah du coup, puisqu'on a fait un œuf par niveau. Bonjour Zoé. Salut Spiro. Salut. Salut Sparks. Salut. J'ai trouvé un autre œuf. Si Sparks est prêt, il peut aller le récupérer au village des araignées. Ah. Oh oui. Toujours les petits insectes et compagnie pour Sparks. Exactement. C'est son mes préférés. C'est parti, bon. Alors, ok, on fait comme ça. Comment on dash comme ça? Ok. Ah, on peut pas dasher et tirer en même temps. Non. Oh, alors lui. Ah oh, bah, mais ça va. Oui, bah, il est quand même, là, c'est Spider-Man, là. Incroyable. Attends, on se rafle comment comme ça? Ok, super. Allez, hop, moi, je mange ça, je dévore. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, bon, après, on se trafe. C'est pas forcément dans le bon sens. Mais c'est pas grave, on est dans l'usine des... Oh là 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 là, attendez. Ah oui, mais non, mais moi, je veux se trafer tout le temps, en fait. Mais du coup, on peut pas se trafer tout le temps. Attends, est-ce que si je fais ça... Ah oui, c'est bon, ça me fait se trafer. Ok, très bien. Par contre, ça me fait pas cracher des boules de feu pour autant.
Faut casser le générateur à araignées. Et voilà. Le générateur à araignées. Le nightmare pour beaucoup de gens, je crois. J'avoue que de ce point de vue là. Oh, j'ai gagné le bouclier à bulles. Allez, on y go. On va pouvoir foncer dans les ennemis. Regardez-moi ça là. Voilà, c'est comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a là? Et ben, il y a un bouclier, c'est trop nul. Et ben, moi, les boucliers, je m'en fiche. Non, je devrais pas faire ça. Je devrais me servir de mon bouclier plutôt pour éliminer mes ennemis et les réduire en poussière de. Ça s'est terminé pile. Oh là là, lui là, il est énervé. Comme il est bête. Et il donne même pas de cadeau. Hop. Il y a un petit papillon. Hop. Ah oui, d'accord, j'ai perdu masse de vie en fait. Allez, mais ok, non. Ça c'est le bien joué. Quel dommage. Ah mais oui, il y avait... Oh non. Oh là là. Oh, c'est terrible ce qui t'arrive. Waouh, on dirait qu'elle a fait un feu d'artifice en explosant. Il y a l'autre là, il y a l'ennemi là. Vous voulez pas me donner un super pouvoir là? Moi j'ai jamais le droit au super pouvoir. Bon, au moins, le générateur à bêtises est éliminé et ça, ça fait plaisir. Vous en faites pas, arachnophobe, on vous venge de tout vos... toute votre tristesse. Par contre, je trouve que c'est pas évident de se dire que tu ramasses une clé et ça enlève l'électricité d'un portail. Voilà, tiens, papillon. Bah, il goûte. Oh, ça c'est... Ah, c'est des fusées, c'est nul. Je sais même pas comment on s'en sert. Faut appuyer sur un bouton. Okay. Faut appuyer sur un bouton. Oui. J'en doute pas. Ah, ok, d'accord, lui, il marche pas. Ah, c'est pour aller là. Ah bah, c'est un générateur à Goomba, ça aussi. Ah, il est pas mort, lui. Hop. T'as pas appuyé sur le bouton, ou aussi? Bien vu. À moins qu'en fait, c'est ça qui enlève l'électricité. Oui, c'est ça qui enlève l'électricité des... Oh, quel dommage. C'est ça qui enlève l'électricité des... T'as oublié une gemme. Des boucliers, là. Et Sparks ne peut pas le ramasser à ta place puisque tu es Sparks. Quel dommage, franchement Sparks t'abuse un peu. Hein. Oh mince, j'ai plus de pouvoir. Oh, et puis il y a toutes les araignées là. Oh là 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 là. Mais non, mais Sparks, fais le straf. Ah oui, mais il faut appuyer sur le bouton si tu veux que je fasse le straf aussi. Oh, regarde, il va te donner un pouvoir. Oh, mais c'est... Boule de feu. Boule de feu, qui est très bien. Ah mince, ok. Ah d'accord, ok. Mais il faut mourir. Oh là 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 là. Ah. Et voilà la maîtresse des araignées. Eh, en fait tout le monde crache des boules de feu. Mais attendez, si Sparks il peut cracher des boules de feu, pourquoi il le fait pas quand il nous aide? Je crois que tu tires pour rien là. Oui. Fallait tuer tous ses enfants. Ou qu'elle tue tous ses enfants, toi. Ça marche aussi. Piou, piou, piou. Bon, en même temps, tu m'étonnes hein, que vous criez comme ça. Je veux dire, votre mère vous tue, là, c'est quand même terrible. Ah, il en reste un. Il est où? Il est là. Oui, bah attends, tu permets, je suis en train de tuer ta mère. C'est horrible comme phrase. Oui bah c'est soit elle soit vous donc faut. Attends, il... Bah oui j'allais dire, là il y en a plus, qu'est-ce que tu me fais? Ah si, il y en a un. Oh je vais mourir. Oh là ça c'est. Oh oui. Bien joué. Pouah, c'est le bébé qui m'a dévoré. Ouh. Oh dommage, il reste si peu de coups. Et toi aussi. Oh, j'ai cru que t'étais mort. Non, oh c'est Tutti. Bah ok Sparks. Non, j'ai pas voulu rater quand même l'éclosion de Tutti quand même. Bon, ok. On ramasse ça. Il faut que t'ailles libérer une cage. Il y a un bouton sur lequel je dois appuyer maintenant du coup.
Bah, mais, attends, mais non, mais bon. C'est bon. Mais t'as même pas mangé le papillon. Attends. Oh mince, il reste encore une gemme. Bon, et là, on peut pas demander à Sparks de nous aider. Mais oui. Là, il y en a une. Et en voilà une. Et elle là, voilà. Donc, arrête de Spike. On peut quitter le niveau. Ah, et du coup, on va pouvoir savoir quel nouveau pouvoir on a gagné. On pense que tu vas gagner un pouvoir. Oui, un truc du genre, Sparks peut aller plus loin chercher les gemmes. Est-ce que tu penses que tu vas gagner un pouvoir? Non, parce que je crois qu'on va effectivement pas gagner de pouvoir, là. Quoi? Parce qu'on l'a déjà, le pouvoir. Ah! Bon, on va voir. Effectivement, on dirait... Oui, voilà, on n'a pas gagné de pouvoir, parce que je crois que le pouvoir d'ici, c'est gagner... C'est pouvoir demander à Sparks de nous afficher les gemmes, en fait. Enfin, nous montrer la prochaine gemme. Sauf que, bon, bah, on l'a déjà, le pouvoir, il est intégré à la nouvelle trilogie, donc, du coup, a priori, pas besoin de ce pouvoir, quoi. Ok, bah, c'est pas grave, on a sauvé quelqu'un. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir, tout le monde.